Il veut réparer les pots cassés. Après ne pas avoir exclu d'envoyer des troupes en Ukraine, Emmanuel Macron est sur TF1 et France 2 ce soir pour s'expliquer. Demain aussi à Berlin pour tenter de se réconcilier avec le chancelier allemand qui n'a pas du tout apprécié. Macron critiqué, y compris par les États-Unis et l'OTAN, mais aussi en France pour ses propos jugés bellicistes. Macron pourtant qui assume de défier Vladimir Poutine. Alors la polémique, elle a peut-être obscurci l'enjeu central, la position militaire difficile de l'Ukraine après 2 ans de guerre contre l'envahisseur russe, une aide militaire européenne et américaine à l'Ukraine qui n'est pas à la hauteur des besoins pour que le pays gagne la guerre et l'absence de perspectives de négociation à court terme. Quel soutien militaire à l'Ukraine et pour combien de temps l'Ukraine doit-elle entrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN? Et puis, alors que la guerre israélienne à Gaza a tué plus de 30 000 Palestiniens, 70% de femmes et d'enfants, la France et l'Europe sont-elles au rendez-vous? Ces questions, on va les poser à vous, trois députés. Emmanuel Bompard, bonsoir. Bonsoir. Député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise. Éléonore Carrois, bonsoir. Vous êtes députée des Français établis hors de France pour la zone Amérique du Sud, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée et porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée. Cyrielle Chatelain, bonsoir. Vous êtes députée de l'Isère, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée, qui a donc voté mardi son soutien à l'accord bilatéral de sécurité entre la France et l'Ukraine. Un accord sur lequel, en la réalité, elle n'a pas eu vraiment son mot à dire, sur le fond, puisqu'il a été déjà signé le 16 mars dernier par Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors, techniquement, il grave pour 10 ans dans le marbre le soutien militaire de la France à l'Ukraine, même si ce n'est pas un traité. Manuel Bompard, vous et les élus de l'AFI, vous avez voté contre. Le RN s'est abstenu. Cyrielle Chatelain, les écologistes, vous avez voté pour. De même, évidemment, que le groupe présidentiel Renaissance et la droite LR. Alors, c'est à la tribune le Premier ministre Gabriel Attal qui a mardi ouvert les débats. Et son message, il était clair. La Russie, dit-il, est en position de force. Si nous avons tenu à ce que ce débat et ce vote puissent se tenir aujourd'hui, c'est parce que nous sommes à un moment de bascule dans ce conflit. Nous le savons, cette guerre s'inscrit dans la durée. Une guerre de position se joue désormais. Et pour la Russie, le temps est désormais un allié. Or, il l'affirme, la Russie ne peut ni ne doit gagner la guerre. Une victoire de la Russie, c'est un danger direct pour notre sécurité alimentaire. La Russie et l'Ukraine, ce sont les deux plus grands producteurs de céréales au monde. Si la Russie prenait le contrôle des céréales ukrainiennes, elle serait libre de faire monter les prix comme bon lui semble en réponse à nos sanctions, menaçant directement nos agriculteurs et le pouvoir d'achat des Français. Gabriel Attal qui réaffirme la ligne d'Emmanuel Macron, le soutien à l'Ukraine. Dans un moment aussi grave, dans une situation aussi complexe, il n'y a pas de place pour l'instrumentalisation. Le message du président de la République a été très clair. Nous n'abandonnerons pas l'Ukraine et nous n'excluons par principe aucune option. Nous nous inscrivons dans un cadre réfléchi pour réaffirmer notre soutien à l'Ukraine, mais sans faire la guerre à la Russie et en refusant toute logique d'escalade. Nous ne nous fixons pas de limites face à une Russie qui, elle, n'en fixe aucune. Nous continuerons, comme nous le faisons depuis le début du conflit, à faire évoluer notre soutien, à l'adapter aux besoins des Ukrainiens. Le Premier ministre qui, Emmanuel Bompard, cible ceux qui s'opposent. Voter contre, c'est remettre en cause le travail et les efforts accomplis par la France et ses alliés depuis 2 ans. Voter contre, c'est donner à Vladimir Poutine tous les arguments et un signal qu'il espère et qu'il attend. Voter contre, c'est affirmer que les règles internationales peuvent être bafouées sans conséquences ou réponses claires de notre part. Voter contre, c'est signifier à nos alliés que la France tourne le dos à son engagement et à son histoire. Je le dis également, s'abstenir, c'est fuir. Fuir ses responsabilités devant l'histoire. Trahir ce qui nous est de plus cher depuis le 18 juin 1940, l'esprit français de résistance. Voilà, le vote contre, c'était pour vous, Emmanuel Bompard et la France Insoumise, et l'abstention pour notamment le Rassemblement National qui s'est abstenu. Ce jour-là, Emmanuel Bompard, dans les travées de l'Assemblée Nationale, il y avait l'ambassadeur d'Ukraine à Paris, dans l'assistance. Est-ce que ce n'était pas difficile ce jour-là de voter contre cet accord bilatéral de sécurité en sa présence? Ben non, parce que ce n'est pas parce que vous votez contre lors du vote qui a eu lieu mardi, que vous êtes opposé à l'idée qu'il faut soutenir l'Ukraine. D'ailleurs, il n'y avait pas d'accord bilatéral entre la France et l'Ukraine avant que le président de la République décide de le ratifier. Ça n'empêchait pas la France d'aider l'Ukraine. Et s'il n'y avait pas eu d'accord, ça n'aurait pas empêché la France de continuer à aider l'Ukraine. La vérité, c'est que ce vote était... C'était pas donné à Poutine un signal, ce que dit Gabriel Attal. Mais écoutez, si vous voulez qu'on discute de qui a donné des signaux à Vladimir Poutine... Je vais vous dire, parce qu'à mon avis, c'était au cœur du vote de mardi. En vérité, c'est le président de la République, par ses déclarations, qui a donné un immense signal à Vladimir Poutine, qui est un signal de division
de l'Union européenne, un signal de division de l'OTAN, et qui a positionné la voix, la parole de la France de manière extrêmement isolée et solitaire. Et si nous avons voté contre mardi, c'est pas précisément sur l'accord, en vérité, puisque l'accord, vous l'avez dit vous-même, il avait déjà été ratifié. Donc, quel que soit notre vote aux uns et aux autres sur l'accord, ça n'aurait strictement rien changé. Si nous avons voté contre, c'est tout simplement parce que nous sommes en désaccord radical avec les propos qui ont été tenus par le président de la République, qui a envisagé la perspective de troupes au sol françaises en Ukraine. On va nous y sommes tout à l'heure, radicalement opposés, et on y reviendra et nous en sommes détail. Opposés en votant contre. Mais ça veut dire que vous auriez peut-être pas été jusqu'au contre s'il n'y avait pas eu ces propos-là dans le contexte de l'Élysée, d'Emmanuel Macron. Mais il n'y aurait pas eu ce débat s'il n'y avait pas eu ces propos-là. Et c'est l'hypocrisie de ce débat. C'est que ce débat sur cet accord bilatéral de sécurité, il a été décidé non pas après la ratification de l'accord, non pas après la signature de l'accord par le président de la République, il a été décidé après les propos du président de la République. C'est la preuve que c'était bien le sujet. Cyrielle Chatelain, vous avez voté pour. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous différencie justement de la France insoumise dans le fait de même si vous pouvez avoir des analyses sur certains points convergents, qu'est-ce qui vous différencie de dire, voilà, je posais la question de l'ambassadeur ukrainien qui était là, qu'est-ce qui vous différencie de la France insoumise? Alors la question est peut-être pourquoi on a voté pour. Oui. Parce qu'on n'a pas voté, je pense, les uns par rapport aux autres. Non, mais pourquoi vous avez la question, c'est pourquoi on a voté pour. On a voté pour parce que depuis le début du conflit, les écologistes ont une position très claire de soutien à l'Ukraine. On pense qu'il faut défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine, que pour ça il faut affirmer un soutien clair, que dans le cadre d'une agression, ça passe effectivement par l'envoi d'armes, l'envoi de munitions, la formation, là la coopération sur les cyberattaques, et que oui, effectivement, l'accord avait déjà été signé. Donc non, c'était pas un vote de ratification. Mais par contre, pour nous, c'était un vote symbolique qui permettait de réaffirmer une position qui est la nôtre maintenant depuis le début de ce conflit. Eleanor Kawa, quand Manuel Bompard vous dit, en fait, le point central, c'était finalement une forme, et encore une fois, on va réécouter Emmanuel Macron dans un instant là, mais c'était une forme de désordre, y compris au niveau européen et au niveau de l'OTAN aussi, qu'Emmanuel Macron a mis par ses déclarations sur la question des troupes en Ukraine. Et Gabriel Attal nous dit, là au contraire, voter pour, c'était donner un signal et éviter que Poutine veuille aller plus loin. Comment vous recevez-vous ces votes contre? Ça a été très théâtralisé et dramatisé, hein, ces votes contre, cette abstention, dans un contexte d'élection européenne. Donc, Ce qui est regrettable, c'est qu'on parle d'une situation internationale qui est extrêmement grave. Et ça, je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait qu'on a une guerre très près de chez nous, en Europe, sur le territoire européen, et qu'il faut montrer notre soutien aux Ukrainiens. C'est certes un vote symbolique, mais c'est un vote important. Ça montre que, dans une très large majorité, sauf la France insoumise et sauf le Rassemblement national, les députés, les sénateurs de cette nation veulent soutenir l'Ukraine. Et ça, vous avez raison de le rappeler, comment est-ce que c'est reçu par les Ukrainiens, par l'ambassadeur qui était présent, mais aussi par Volodymyr Zelensky, qui a aussi suivi très attentivement ce qui s'y passait. Et lorsqu'on se demande pourquoi est-ce que ce vote a lieu, pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette séquence, là. Rappelons-nous que c'est Zelensky qui vient à Paris, et c'est dans le contexte de sa visite à Paris en février qu'il y a une demande d'un sursaut européen, un sursaut qui est nécessaire, parce que l'heure est grave aujourd'hui avec une Russie qui ne veut plus discuter, parce qu'il ne faut pas inverser les choses pour faire une polémique, une Russie qui ne veut plus discuter, une Russie qui fait de l'ingérence chez nous, une Russie qui aujourd'hui... Il faut le rappeler, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais nous avons une Russie qui, activement, est en train de faire de l'ingérence, des cyberattaques. Encore hier, vous avez vu France Travail, 47 millions de nos compatriotes qui sont touchés par une ingérence. Donc je pense qu'aujourd'hui... Ça pose la question de la sécurité, par ailleurs, de ces systèmes-là, quand absolument, même. Absolument, et on devrait y revenir. Ouais. Mais là, il y a quand même quelque chose de très grave, de très symbolique, et moi, je suis au contraire très contente que la représentation nationale se soit saisie de la question et qu'on ait pu avoir un vote. Donc, symbole, on va revenir justement sur ces déclarations de Macron, d'Emmanuel Macron, dont vous parlez. Il y a un contexte, lundi 26 février, à l'Élysée, était organisée une conférence de soutien à l'Ukraine avec 27 chefs d'État et de gouvernement. Il a été question de cyberdéfense contre les attaques russes, de coproduction militaire en Ukraine, de soutien à la Moldavie, voisine de la Russie, et une journaliste s'adresse à Emmanuel Macron. Sur les propos du Premier ministre slovaque, qui avant cette conférence d'aujourd'hui évoquait la possibilité d'envoyer des troupes au sol occidental en Ukraine, est-ce que cela a été discuté aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'en est-il? Et voici la réponse. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu.
Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je vous ai dit de manière très claire ce sur quoi la France maintiendra sa position, qui est une ambiguïté stratégique que j'assume. Rien ne doit être exclu pour poursuivre l'objectif qui est le nôtre. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. Rien ne doit être exclu, donc, y compris la question des troupes, de l'envoi de troupes. Ces propos, ils ont suscité énormément de débats, ils ont été regrettés par de nombreux pays européens, aussi déjugés par les États-Unis et l'OTAN. Alors moi, j'ai des questions pour vous, Léonard Carrois. Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que c'était un coup de com' dans le cadre des européennes pour cliver face au Rassemblement national jugé pro-russe, et d'ailleurs nous le documentons pas mal sur Mediapart, ou est-ce que c'était pour faire oublier sa position jugée par d'autres partenaires européens longtemps trop attentiste par rapport à Moscou? C'est une réponse à une question très précise qui lui est posée par une journaliste, mais il faut rappeler le contexte. On est dans le contexte du président de la République qui réussit à recevoir à Paris les chefs d'État et de gouvernement européens qu'il a par ailleurs réunis au début de la guerre, rappelons-le, à Versailles en 2022. Donc déjà, le contexte, c'est à Paris, on est tous ensemble. Avec beaucoup de discussions, mais on ne parle finalement plus que de ça. C'est ça, et c'est ça qui est dommage et regrettable. Parce que c'est du fait du président de la République, vous en êtes d'accord? Ou de la question, ou de la réponse, ou du traitement médiatique. Après, on peut débattre de pourquoi est-ce qu'on en parle. Là, on est en train d'en parler, moi je vous réponds, vous me posez la question sur cela. Mais pour moi, la question, c'est déjà, où sommes-nous et dans quel contexte? C'est pas le président de la République tout seul à l'Élysée qui va faire cette déclaration. C'est dans le contexte d'une réunion internationale qu'on réussit à convoquer, dans laquelle on réussit à se mettre d'accord sur un certain nombre de points très importants avec des partenaires européens qui, chacun selon ses moyens, selon son histoire, selon son rapport à l'Ukraine et à la Russie, va se mettre d'accord pour signer des traités bilatéraux comme celui sur lequel il nous a été demandé de voter à l'Assemblée nationale. Il y en a déjà 8 qui ont été signés, il y en a plusieurs qui sont en cours de signature. C'est ça le message qu'il faut retenir, c'est qu'on était dans une période un peu de plat, clairement de prise d'ascendant russe, et il y a ce sursaut qui avait été appelé de ses voeux par Volodymyr Zelensky lorsqu'il est reçu par Macron en février, et après une conférence de chefs d'État unis. Et Macron ira à Berlin à la fin de la semaine, et ce sera, je pense, l'occasion encore une fois de clarifier et de remontrer que nous sommes soudés en Européens. Vous, Manuel Bompard, vous avez dit que c'est des propos inquiétants. Ah, c'est plus qu'inquiétant, c'est irresponsable, dangereux, contre-productif. Et je suis assez estomaqué par ce que je viens d'entendre, parce que comme si finalement c'était un détail dans cette conférence de presse et qu'il y avait d'autres sujets, mais enfin... On a parlé que de ça, de fait. Non, mais excusez-moi, mais on parle d'une question qui est juste une question majeure. Mais vous parlez de la conférence de presse, la conférence. Non, mais d'accord. De la conférence entre madame, tous les chefs d'État, madame, et de gouvernement. Vous pouvez considérer anecdotique le fait... J'ai pas considéré anecdotique, Le fait que le président de la République, qui, en vertu de la Constitution de la Ve République, détient seul la possibilité d'engager des troupes françaises. Vous pouvez trouver anecdotique qu'il ouvre la voie au fait qu'on aille envoyer des troupes françaises face à une puissance qui dispose d'un arsenal nucléaire comme la Russie. Vous pouvez considérer que ce n'est pas le sujet dont on devrait parler, mais excusez-moi, c'est le sujet majeur de ce qu'il a dit à cet instant. Mais vous l'avez entendu, est-ce qu'il a dit, madame, soyez pas de mauvaise foi. Est-ce qu'il a dit, je ne suis pas de mauvaise foi. Vous avez entendu, j'ai ensuite assisté à la rencontre qui a été organisée par le président Macron avec les responsables de formation politique. Et il aurait pu à ce moment-là reculer et dire j'ai mal été compris, etc. Il a fait précisément l'inverse, puisque non seulement il a confirmé ses propos, mais il en a rajouté. Quoi qu'il en coûte, il n'y aura aucune limite, etc. Donc je dis que ces propos sont dangereux, parce qu'on parle d'une potentialité d'alimenter en quelque sorte une surenchère militaire avec une puissance nucléaire, et qu'ils ont été contre-productifs, ce qu'on disait là tout à l'heure. Je veux créer une ambiguïté stratégique, pardonnez-moi, on dirait OSS 117. Non, mais c'est... Excusez-moi, c'est précisément l'inverse qui s'est produit. Il n'a pas créé d'ambiguïté stratégique, il a levé l'ambiguïté stratégique partout dans le monde. Cyril Châtelain, vous avez dit, vous, propos immature. Tout à fait. Mais propos immature, moi j'ai l'impression d'avoir un président de la République, en fait, depuis 2 ans, qui veut se mettre en scène comme... Qu'est-ce qu'il fait pour vous? C'est quoi le sens, la logique? Est-ce qu'il y en a une, là, dans ce qui s'est passé? Cette volonté de se mettre en scène. C'est-à-dire qu'au début du conflit, il veut se mettre en scène comme le seul qui est capable de discuter avec Vladimir Poutine. Que Gabriel Attal a rappelé à l'Assemblée. Ouais. Il l'a appelé, voilà. Donc c'est vraiment cette idée qu'il serait le seul à pouvoir débloquer la situation. Ça ne marche pas, c'est un échec, je pense qu'on peut le constater. Et donc là, son nouveau, j'ai l'impression, peut-être
son nouveau désir, c'est de se mettre en scène comme le seul qui réveille l'Europe, face, c'est ça, ouais. qui réveille l'Europe et qui parlerait la même langue que Vladimir Poutine. Ce qui est extrêmement, effectivement, inquiétant, parce que Vladimir Poutine a une stratégie qui est en fait la stratégie du fou, c'est-à-dire celui qui n'a aucune limite. Donc on a un président de la République qui prend le même discours belliciste. Rien n'est exclu, il n'y a aucune limite. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment une forme d'immaturité de vouloir, en fait, finalement, être dans cette espèce de surenchère de virilisme. Et la deuxième chose, je pense que vous avez raison, le contexte est extrêmement important. On a un président de la République qui réunit ses partenaires à l'Élysée pour parler de points et parler d'une seule voix face à la Russie. Quelles sont les conséquences de sa prise de parole ? Il ressort isolé. Et diplomatiquement, inviter des chefs d'État et les amener à dédire l'hôte, la puissance invitante, c'est incompréhensible. Et là, c'est une faute. Très clairement. C'est-à-dire que non seulement il crée de la tension chez nous et de l'inquiétude, mais en plus, effectivement, il lève l'ambiguïté stratégique pour tous nos partenaires. Donc c'est réellement une faute en termes diplomatiques. Une faute, moi, vous disent. Moi, je comprends que la NUPES a envie de ramener tout au chef de l'État. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est quelle est la conséquence. La conséquence, c'est qu'on a 3 milliards d'aides supplémentaires à l'Ukraine. Un engagement sur 10 ans. Madame, l'accord a été signé avant les propos d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous dites? Mais d'autres donc, accords qui sont. Ce n'est pas les propos d'Emmanuel traités. Macron qui repèrent d'autres. Huit accords qui ont été signés, d'autres accords qui vont être négociés. En raison de cette réunion, de cette remise en cause. Non, la réunion a lieu après la signature de l'accord avec. Oui, et les autres 8 accords qui sont signés par les États-Unis, par les Royaumes-Unis, par l'Italie. Ils étaient tous préparés avant, madame. Oui, alors vous pouvez dire que rien ne sert à rien. Non, je ne dis pas que rien ne sert à rien. Vous ne pouvez pas dire que c'est les propos d'Emmanuel Macron qui n'a pas. Peut-être clarifier la situation, ça n'a pas contribué à clarifier la situation, ou alors c'était l'effet recherché, comme le dit Cyrielle Chatelain, pour peut-être créer un électrochoc, un peu autour de sa personne, c'est vrai, sur la prise de conscience d'une situation difficile militairement en Ukraine. Je veux dire, moi, je ne suis pas là pour commenter les états d'âme ou la potentielle psychologie du chef de l'État. En revanche, je suis là pour regarder qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous, Français, nous, Européens, comment on agit et comment on est perçu à travers le monde, et perçu par les personnes qui sont en train de nous demander de l'aide et qui sont en train de mourir sur un territoire de guerre. Je parle des Ukrainiens. Les Ukrainiens, ils ont très bien reçu ces propos et très bien compris ce que le président de la République a voulu dire. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky l'a encore réexpliqué. Le ministre de l'Armée l'a réexpliqué. Le président de la République va s'adresser aujourd'hui à la nation et il le réexpliquera. Sébastien Lecornu, à un moment donné, le ministre de la Défense a dit, ça ne veut pas dire des troupes pour faire la guerre à la Russie. Si on a bien compris, on parle d'instructeurs, de conseillers militaires, de démineurs. Même ça, ça vous paraîtrait non, trop, Manuel Bompard. Laissez-moi répondre à la question avant de faire la réponse à ma place, si vous voulez bien. C'est un rétro-pédalage qui est ridicule. Vous pensez que vous qu'il a annoncé, vous parlez vraiment de troupes militaires et vous êtes contre les démineurs? Parce que moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Non, mais je veux bien vous répondre sur tous les sujets. Mais sur les démineurs, on parle d'abord de la première question, qui est de savoir si le président de la République a parlé de ça. Je veux dire, dans le langage militaire, dans le langage de la guerre, parler de troupes au sol, ça a une signification bien précise. Et cette signification bien précise, c'est que les troupes au sol, ce n'est pas des ingénieurs. C'est pas des démineurs, c'est pas autre chose. Mais madame, vous disiez tout à l'heure, moi ça m'intéresse pas de commenter la psychologie ou les états d'âme du président de la République, mais pardonnez-moi, mais moi ça m'intéresse parce qu'en l'occurrence c'est lui qui détient tout seul la possibilité ouverte par la Constitution. Vous répondez sur le président, vous êtes obsédé par le président de la République. Oui, je vous le confirme. Mais pas moi en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir quelle est notre position. Sauf que c'est lui qui décide tout seul, c'est pas vous qui décidez, ni monsieur Lecornu. Bah nous on vote et quand on vous donne la possibilité de voter et de montrer que vous soutenez l'Ukraine. Vous ne connaissez pas la Constitution de la 5e République. Mais quand on vous demande de soutenir l'Ukraine, vous la soutenez pas. Mais madame, quand on vous demande d'envoyer un symbole fort à des personnes qui sont en guerre. C'est impossible pour vous. Évidemment, parce que mais on vous pose des questions. Vous êtes une grande démocrate, vous permettez quand même que celui qui soit en face de vous. Allez, Emmanuel, vous parlez la réponse. Donc, laissez-moi juste terminer ma phrase, si vous voulez bien. Je vous ai dit depuis le début que le sujet n'était pas le soutien à l'Ukraine face à la Russie qui a violé le droit international en envahissant le territoire ukrainien. C'est pas le sujet qui est posé. Le sujet qui est posé, c'est quelle est la stratégie de la France. Alors, et la stratégie de la France, telle qu'elle a été présentée par le président de la République, je suis en radical désaccord avec. Est-ce que pour vous, l'Europe fait assez pour soutenir la guerre en Ukraine? Un candidat aux élections européennes, Raphaël Glucksmann, tête de liste socialiste, dit qu'il faut une économie de guerre, comme d'ailleurs un terme, je crois, utilisé par Emmanuel Macron en 2022. Cyrielle Chatelain, alors il demande aussi une véritable Europe de la défense, on pourrait y revenir après, mais sur le terme d'économie de guerre, ce qui implique quand même un certain imaginaire, qu'est-ce que vous pensez d'abord qu'il entend par là? Et vous, en tant qu'écologiste, qu'est-ce que vous dites, puisque lui, il dit qu'il faut absolument défendre l'Ukraine et que la Russie ne gagne pas, finalement, comme un peu le président de la République, mais je pense comme beaucoup de gens, enfin, je veux dire, dans ce pays. Le terme d'économie de guerre, qu'est-ce qu'il implique et qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, une économie de guerre, ça a une signification très forte. Ça veut dire que tous nos moyens de production, tous nos moyens économiques sont mis en direction de l'effort de guerre. C'est ça.
Et je pense que ce n'est pas ce qu'il faut. Ce dont on a besoin, c'est une erreur, c'est un désaccord profond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pense pas que l'ensemble de nos moyens économiques doivent être mis en direction de la guerre. On a beaucoup trop de besoins. Et j'irai même plus loin, aujourd'hui, ce dont on a besoin, plutôt pour nous écologistes, c'est d'une politique très forte, notamment en termes de sobriété et de transition énergétique. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il faut juger ce qu'on fait. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons pas coupé notre dépendance au gaz russe. Au niveau de l'Union européenne, nous sommes le premier acheteur de gaz russe. Dans des proportions énormes, hein, vous l'avez redit à l'Assemblée nationale. 50% des importations du gaz naturel liquéfié russe, c'est acheté par l'Union européenne et notamment la France. La Russie est le deuxième, nous achetons, c'est le deuxième importateur de GNL en France. Non, mais nous sommes dépendants. Mais le GNL n'est pas notre principale source d'approvisionnement énergétique. Vous avez... Contre nous, nous étions policiers de sobriété énergétique. Nous avons voté contre le port méthanier qui permet justement d'arriver du GNL russe. Donc si, nous sommes toujours dépendants. Et je voudrais vraiment finir, c'est là où c'est extrêmement important et où ça nous marque une différence. C'est-à-dire que si on n'a pas les investissements et justement une politique très forte en termes de sobriété et de changement du modèle économique, on continuera à être dépendant de la Russie et d'autres modèles avec lesquels, eh bien, en fait, on devient pieds et poings liés. Et si on a si longtemps attendu pour faire face à la Russie, parce qu'on a eu la Crimée, on a eu la guerre du Donbass, en 2014. C'est parce qu'on avait cette dépendance économique. Donc maintenant, oui, moi, juste sur les actes pour couper et arrêter de financer l'effort de guerre ukrainien, ils ne sont aujourd'hui très clairement pas à la hauteur. Emmanuel Bompard, est-ce que vous vous dites, là, j'ai l'impression, dans vos déclarations récentes, et les déclarations, y compris du groupe LFI à l'Assemblée le jour du vote, ce sentiment de dire les déclarations d'Emmanuel Macron, peut-être d'autres déclarations dont j'ai parlé, ça participe d'une rhétorique d'escalade, c'est ça que vous... Bien sûr, parce que les postures verbales, les surenchères verbales, en vérité, elles précèdent toujours les surenchères militaires. Et là, vous venez, par exemple, de poser la question de l'économie de guerre. La vérité, l'économie de guerre, ça voudrait dire que l'ensemble de nos chaînes de production se retrouvent à être réorientées vers la guerre. Je pense que, en vérité, même M. Glucksmann et M. Macron, quand ils disent ça, ne le croient pas eux-mêmes, en vérité. Mais sauf que ça entache la crédibilité de la parole de la France. La France a dit qu'elle allait livrer un certain nombre d'équipements militaires de défense à l'Ukraine. Elle n'a même pas rempli les objectifs et elle n'a même pas respecté les engagements qu'elle avait pris. Donc, la première chose à dire, c'est moins de mots, moins de phrases et plus d'actes. Voilà. Deuxièmement, oui, je pense que par les déclarations du président de la République, par d'autres déclarations qu'on a entendues, par les déclarations de M. Glucksmann lui-même, tout ça contribue, participe d'une logique et une logique de la surenchère guerrière. Et je trouve ça extrêmement inquiétant. Vous disiez tout à l'heure, madame, les Ukrainiens ont très bien pris les propos d'Emmanuel Macron. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que les Français les ont très mal pris. Parce que les Français, ils sont inquiets. Parce que les Français, ils sont majoritairement favorables à l'idée de dire que quand un pays est agressé, comme l'a été l'Ukraine par la Russie, il faut l'aider, il faut faire en sorte qu'elle ne perde pas la guerre. Là-dessus, il n'y a, à mon avis, pas de débat dans la société française. Et pourquoi vous votez là à chaque fois qu'on propose de les aider ? Mais madame, vous dites précisément, excusez-moi, n'importe quoi, puisque c'est la première fois qu'on votait. Non, mais on a voté pour des sanctions en novembre 2022, bon, on a donc, voté donc, en 2021. Donc c'est un autre débat. Non, ce n'est pas un autre débat. Si, en novembre 2022, sur le soutien à l'Ukraine, vous avez voté contre. Vous venez de me dire que je vote à chaque fois contre les livraisons d'armes. Mais le soutien à l'Ukraine en novembre 2022. C'est vous qui dirigez, donc c'est vous qui me donnez la parole. Emmanuel Bompard, vous terminez votre phrase et je vous fais répondre sur une question donc, que je vais vous poser. Donc, je réponds que j'ai toujours été favorable au fait de soutenir l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre face à l'agression russe, mais je pense que les surenchères verbales, les surenchères militaires auxquelles on assiste aujourd'hui sont dangereuses et qu'elles sont, de mon point de vue, pas la solution pour trouver le plus rapidement possible le chemin de la paix. Et que plutôt que de vouloir être maintenant le leader incontesté du camp de la guerre, le président de la République ferait mieux d'essayer de prendre la tête du camp de la paix. Voilà quel est le point de vue qui est le mien. Est-ce que vous comprenez cette question de la peur, y compris évoquée par Emmanuel Bompard ou Cyril Châtelain, que de fait, entendre des mots qui sont autour d'une forme de rhétorique guerrière, même si la situation sur le front, pas très loin de chez nous, de fait, est très compliquée, que c'est bien d'en prendre conscience, ça peut contribuer à
inquiéter les gens sans forcément apporter les réponses concrètes qui sont nécessaires pour savoir combien d'armes sont livrées en temps et en heure aux Ukrainiens. C'est ça qu'ils demandent aujourd'hui, en fait, qu'on leur livre assez de choses en temps et en heure et du matériel, si possible, qui marche, quoi. Bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a déjà livré. La France est le principal contributeur. Mais vous comprenez cette idée de rhétorique, de sentiment que plein de gens se disent qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire ? Bien sûr, mais justement, c'est important de l'expliquer. La facilité pour la paix européenne, la France est un des principaux contributeurs. Les aides à l'Ukraine, concrètement, en fait, si on avait pas décidé il y a 2 ans qu'on allait soutenir l'Ukraine activement, il se serait passé ce qui s'est passé en Crimée et que Jean-Luc Mélenchon avait qualifié d'aubaine, c'est-à-dire une Russie qui arrive comme dans du beurre et qui fait ce qu'elle veut dans des pays qui sont... Mais c'est vrai, et c'est documenté. Donc à un moment donné... Vous l'avez dit, la Crimée est perdue pour l'OTAN, tant mieux. Oui, bon, c'est une aubaine qu'elle ne rentre pas dans l'OTAN. Mais en tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire, il y a un pays qui est démocratique, avec des frontières, mais je ne sais pas moi ce que pense la France Insoumise, si vous contestez les frontières ukrainiennes, mais sur les frontières. Mais avec des frontières qui sont définies, qui sont fixées, avec un peuple qui élit démocratiquement ses représentants, et on a un peuple qui nous demande aussi de l'aide, à nous, Européens, parce qu'on est sur le même continent. On les aide, effectivement, depuis le début de la guerre. L'idée, c'est de consolider cette aide. Ce ne sont pas des verbiages. Ce qui sont des verbiages, c'est une polémique qui dure pendant 15 jours alors qu'il a été très clairement dit qu'il n'y aurait pas de troupes au sol, que personne ne parle d'en envoyer aujourd'hui. La réponse à Saint-Denis n'a pas été une clarté... J'y étais pas, moi, à Saint-Denis. C'est Marine Tondelier qui était, bien évidemment, on a échangé ensuite. C'est pas ce qui est ressorti... En tout cas, ce qui est ressorti des échanges que moi j'ai eu avec Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, c'est qu'effectivement, il a dit sans limite. Où est la limite ? Ce qui est important. Vous voulez dire que les garanties que donne le ministre des Armées, par exemple, en disant ce ne sera pas des soldats, etc. Pour vous, c'est pas évident dans les mots d'Emmanuel Macron. Avez-vous une confirmation de l'Élysée que le Sébastien Lecornu a précisé le discours d'Emmanuel Macron ? Sébastien Lecornu a précisé qu'on n'enverrait pas des troupes au sol. Mais est-ce que l'Élysée a confirmé les propos du ministre de la Défense ? Et on va de toute façon écouter le président de la République. Sur la paix, si on veut la paix, et sur notre diplomatie, en fait. Cette ambiguïté stratégique, elle est consubstantielle à notre diplomatie. On ne va pas se fixer des lignes rouges. Vous ne dites pas, quand vous êtes dans une situation aussi grave que celle qui existe aujourd'hui, vous n'allez pas dire, de toute façon, quoi qu'il arrive et quoi que vous fassiez, même si vous venez nous envahir, on n'enverra pas des troupes au sol. On peut débattre encore pendant des heures de la pertinence, de l'utilité, de l'impact, mais aujourd'hui c'est très clair, on n'est pas en guerre contre la Russie, ça a été répété, ça a été dit, ça vient d'être dit d'ailleurs à l'issue de la conférence des ministres, mais la Russie est en train de monter d'un cran, et nous on est au rendez-vous de ce qui nous est demandé en tant que leader européen. Cyril Châtelain, si vous voulez réagir sur la question de la paix justement, c'est quoi la paix ? C'est-à-dire que, et je viendrai à vous après Emmanuel Bompard, vous dites, il faut le plus vite possible négocier. Ok, mais on négocie quoi ? Y a beaucoup de gens qui regardent ce conflit de près, qui disent « Poutine veut des négociations, mais pas forcément de négocier ». Vous, quelle est votre position là-dessus ? Sur Emmanuel Bompard dit à la France Insoumise, mais Jean-Luc Mélenchon dit, ils disent le plus vite possible des discussions et arriver à la question de la paix. Quelle est votre position là-dessus ? Est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, l'Ukraine est suffisamment en position de force pour avoir ces discussions-là ? Il y a deux choses. Un, je ne crois pas que Vladimir Poutine veuille négocier. Je sais qu'il a proposé un cessez-le-feu. Je ne pense pas qu'il soit dans un esprit de négociation. Après, en tout cas, le passé récent ne nous démontre pas une volonté de négociation très forte. Ou sur des négociations, sur des bases qui lui sont très favorables. Oui, mais c'est pas une... Enfin, en fait, et de fait, on est pour défendre l'intégrité territoriale. C'est ça, quand même, le cœur de la défense de l'Ukraine, c'est le respect des frontières et de l'intégrité territoriale. Donc là-dessus, on ne peut pas transiger. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Par contre, et je vais revenir sur la diplomatie, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui, on doit renforcer l'Ukraine pour avoir des bases de discussion. Mais justement, sur la diplomatie, moi, ce qui m'inquiète dans les propos du président de la République, qui ont été en fait finalement continués d'une certaine manière par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui était auditionné par la commission des finances. Et quand on lui parle des 900 millions de coupes qu'il y a au ministère des Affaires étrangères, on a une diplomatie qui est disloquée, qui est extrêmement affaiblie, dans un moment où le monde n'a jamais été aussi complexe. On est en train d'affaiblir une diplomatie qui était reconnue mondialement. Et à cette réponse-là, Bruno Le Maire dit, vous savez, c'est le ministère de la Défense qui répond aux crises du monde. Ça, c'est inquiétant. C'est-à-dire qu'en fait, notre désaccord profond, c'est que oui, à un moment, il faut avoir une diplomatie. Et donc, état elle sera ? Et si la vision du gouvernement, c'est qu'en fait, les armes sont la seule diplomatie, là, c'est extrêmement inquiétant. Et si ce n'est pas le cas,
remettrez-vous les 900 millions d'euros ? On en a impérativement Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Et moi, je, en tant que vice-présidente de la Commission, donc vous dissociez les propos du ministre de l'économie. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une diplomatie qui est extrêmement efficace. On l'a vu. On en parlera tout à l'heure lorsqu'on parlera d'autres conflits. Qui est très très relégué. Et qui est c'est vrai qu'on peut se demander est-ce que c'est le moment de faire des coupes budgétaires massives dans le ministère des Affaires étrangères, sachant qu'on a. Je crois que c'est à peu près 8% du budget, les 900 millions d'euros. Si on revient sur l'Ukraine. Le président de la République a été un des derniers à parler à Poutine et je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, lorsque vous dites c'est que... C'est quoi votre réponse sur les coupes, madame ? C'est vous qui m'interrompez maintenant. Je vous dis juste que je suis d'accord avec vous. Non, mais je peux parler de la diplomatie et de le conflit en Ukraine et de ce qui est en train de se passer. Le président de la République, jusqu'au dernier moment, a maintenu un dialogue avec Vladimir Poutine et aujourd'hui, son téléphone... Il a manifestement compris qu'il n'y avait pas de dialogue. Mais je pense... Non, justement, son téléphone est toujours ouvert. Et la diplomatie, et ça a été rappelé par le président de la République lors de la dernière conférence des ambassadeurs en août dernier, notre diplomatie, c'est une diplomatie où on parle avec tout le monde et où on laisse toujours la porte diplomatique. C'est notre première porte et c'est ce qui nous caractérise et on est reconnu à travers le monde pour cela. Il n'empêche que, comme le dit Cyril Châtelain, ce sera avec moins d'argent. Alors, on va regarder une carte. Quand même, pour bien comprendre un peu de quoi on parle, si on parle des enjeux justement de territoire, c'est très important. C'est vrai, on le sait, depuis cet hiver, c'était notamment un article du New York Times, Vladimir Poutine est, je cite, ouvert à un cessez-le-feu qui gèle les combats selon les lignes actuelles. Alors, à ce stade, voilà ce que sont les lignes actuelles. Ça, c'est le dernier point de situation des combats publié sur le site français du ministère de la Défense. Les zones sous contrôle russe actuellement, c'était au 13 mars, donc hier, c'est tout ce qui est mauve. La Crimée aussi sud annexé par la Russie en 2014. Aussi le Donbass, la région de Louhansk, qui était déjà en partie sous contrôle russe avant l'invasion de 2022. Et puis donc, ce qui a été gagné après l'invasion. Donc on voit que c'est évidemment une bonne partie de l'Est et du Sud du pays. Est-ce que Manuel Bompard, dans ces conditions-là, si par exemple, est-ce que pour vous, c'est la base de discussion et de négociation de paix acceptable à ce stade pour l'Ukraine, figée de cette façon-là, ce n'est pas acceptable. C'est plutôt ce que veut Vladimir Poutine. Donc, est-ce qu'il faut discuter sur ces bases-là ? Non, mais d'abord, bien évidemment que ce n'est pas acceptable, la situation actuelle, et elle est le résultat d'une violation du droit international. On ne règle pas des différentes frontières par la force, c'est une évidence. Maintenant, vous me dites, c'est ce que Vladimir Poutine poserait comme point de début de la négociation. Très bien, mais s'il y a une négociation, chacun arrive avec ses points de début, et vous essayez d'identifier les points qui posent problème, les points qui sont les points de désaccord, et vous essayez de trouver un chemin pour les régler. Or, aujourd'hui... Donc on n'entérine pas la situation actuelle en tout état de cause. Bien évidemment que non. Mais encore une fois, je veux quand même juste vous dire une chose, parce qu'à mon avis, elle est nécessaire comme étant le préalable à toute notre discussion, c'est que ce n'est pas à nous de déterminer le résultat de la négociation, les conditions d'un accord de paix. C'est aux Ukrainiens et aux Russes de le décider, pas à nous. Donc on ne va pas décider à leur place des concessions que les uns et les autres sont prêts à faire. Je veux dire, ce serait absurde. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Bon, par contre, c'est clair qu'on peut être une puissance facilitatrice des discussions et des négociations. Or, aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, et excusez-moi, je vous interpelle, mais je voudrais juste, pour aller jusqu'au bout de ma phrase, contrairement à ce que vous dites, la France ne joue pas un rôle facilitateur. Aujourd'hui, ceux qui ont pris des initiatives pour essayer de mettre les gens autour de la table, tout le monde le sait, c'est la Turquie, c'est l'Inde, c'est la Chine, c'est le Vatican. Ce sont ceux qui ont pris des initiatives. Et la France a été reléguée, malheureusement, dans son action diplomatique, en particulier par la baisse de moyens dont on parlait tout à l'heure. Donc, quels sont les points qui méritent discussion ? Premièrement, et là je reprends par la même, vous voyez, je ne suis pas toujours contre tout, les propos du président de la République à la fin de l'année 2022, il avait dit, pour qu'il y ait un accord de paix, il faut qu'on arrive à garantir, à créer des garanties de sécurité collective, c'est-à-dire des garanties de sécurité pour l'Ukraine, bien sûr, que la paix ne se traduise pas par le fait qu'ensuite elle soit menacée demain par une nouvelle guerre, et pour la Russie elle-même qui dit... Alors c'est quoi pour vous les garanties de sécurité ? Parce que vous reprenez beaucoup ce mot de garantie de sécurité, qui de fait est là... Maintenant, il n'en parle plus, hein, Emmanuel Macron, mais garantie de sécurité. Si on prend les garanties de sécurité telles que on les lisait, y compris d'ailleurs avant l'invasion, puisque la diplomatie russe, Vladimir Poutine lui-même avait donné un nombre d'indications sur ce qui était pour eux le sentiment de garantie de sécurité. C'était pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ni à d'autres États. On sait qu'aujourd'hui, la Suède et la Finlande viennent d'entrer dans l'OTAN. L'adhésion de l'Ukraine, elle est, en tout cas, y compris dans cet accord bilatéral signé avec la France. Le retrait de l'infrastructure militaire de l'OTAN installée après 1997, on va plutôt dans la direction opposée. Pas d'armes en Ukraine. Là, clairement, on est dedans avec la guerre. Donc, est-ce que vous avez le sentiment, et ça c'est la question vaut pour tout le monde, que cette
que, en fait, on a l'impression que là, les demandes de Vladimir Poutine, de toute façon, ne peuvent pas être remplies, vu ce qui se passe aujourd'hui. Mais d'abord, bien sûr que les choses, elles évoluent. Donc, il y a des choses qui ont bougé par rapport aux éléments que vous indiquez aujourd'hui. Mais il me paraît évident que dans les garanties de sécurité, dont je rappelle qu'elles doivent être mutuelles, parce que immédiatement, mes propos ont été caricaturés en disant « il veut apporter des garanties de sécurité à la Russie et pas à l'Ukraine ». J'ai jamais dit ça, bien évidemment. Moi, je n'ai pas dit ça. Non, mais pas vous, mais le ministre Lecornu a dit ça dans une interview au mardi. Il parle de garanties de sécurité mutuelle. Donc, c'est dire à l'Ukraine pourquoi, s'il y a un accord de paix demain, elle peut se sentir en sécurité et qu'il n'y aura pas de nouvelles agressions dans les mois ou dans les années qui viennent, et dire à la Russie quelles sont vos exigences, vos demandes, et essayer de trouver un chemin qui est compatible. C'est pour ça que je suis opposé, par exemple, à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, parce que je pense que c'est, en quelque sorte, couper la route d'un accord de paix possible. Alors après, il y a un deuxième sujet, je veux pas... Allez-y, on va faire tourner après. Mais le deuxième sujet, vous avez raison, c'est il y a des contestations territoriales. Dire ça ne veut pas dire qu'on les accepte. Il y a des territoires qui sont des territoires contestés. Bon, comment vous réglez ce problème ? D'abord, la conférence des frontières que propose... Non, mais d'abord, vous dites le principe du droit international... Le principe du droit international, c'est qu'il y a des frontières qui sont internationalement reconnues, c'est celles qui s'appliquent. Bon, ensuite, l'idée de notre conférence des frontières, c'est une idée que nous avons proposée dès 2017 et qui visait justement à que les conflits de frontières ne se règlent pas par la guerre, mais par la négociation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, sur certains territoires, si ces territoires sont effectivement disputés, il peut y avoir... Donc pour vous, les frontières de l'Ukraine, c'est pas forcément celles qui sont aujourd'hui. Pas pour moi. Non, mais c'est juste pour comprendre. Mais madame, c'est pas pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas à moi de déterminer les conditions de la négociation. Non, mais vous suivez avec attention ce sujet, madame, vous saurez que le président Zelensky lui-même, en 2022, a dit qu'il n'était pas hostile à, sur les territoires qui sont des territoires disputés, soumettre la question de leur appartenance à référendum. Voilà ce qu'a dit le président Zelensky lui-même, pas Emmanuel Bompard, pas Jean-Luc Mélenchon, le président Zelensky lui-même. Donc si le président Zelensky est prêt à cette solution, vous allez décider à sa place qu'il ne faut pas qu'il fasse ça. Ce n'est pas à vous de le décider, madame. Cyrielle Châtelain, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Emmanuel Bompard nous dit je suis contre pour cette raison, puisque ça ne rentrerait pas dans des garanties de sécurité pour Vladimir Poutine. Est-ce que quelle est la position des écologistes là-dessus ? Sur cette question, je pense que ça renvoie beaucoup à la conception qu'on a finalement aussi de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il faut se dire, pendant longtemps, on a considéré quand même que l'Ukraine était dans une espèce de sphère d'influence de la Russie. Mmh. Et que globalement, avoir l'OTAN dans cette sphère d'influence, c'était effectivement engendrer des tensions. Je pense que ce qui s'est passé en 2014 et cette agression-là nous confronte à une question. C'est-à-dire que finalement, l'Ukraine est-elle souveraine dans ses choix ? Moi, je considère que oui. Je pense que c'est un État souverain. Mmh. Et donc, à partir de là, un État souverain a le droit d'enclencher un processus d'adhésion, y compris à l'OTAN. On ne peut pas reprocher à un État souverain de vouloir garantir sa sécurité. Et quel que soit cet État souverain. Et je pense que c'est ça la question qui nous est posée sur ce processus d'adhésion. C'est pour ça que oui, lancer le processus, mais comme on avait validé effectivement l'adhésion notamment de la Finlande à l'OTAN, c'est que oui, il y a cette question de sécurité. Donc là, ça vaut opposément, parce que Manuel Bompard... Mais on sait que la question de l'OTAN, mais c'est posé depuis très longtemps, mais c'est un sujet sur lequel on n'a pas d'accord, mais sur lequel même on a travaillé pendant la LPM en se disant, au moins on a un accord, c'est qu'en fait, notre programmation, c'est que là où on est d'accord, c'est qu'il faudrait que ça soit l'adhésion même de la France, autant doit être validée par le Parlement européen, qu'avoir une feuille de route. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille ensemble, enfin en tout cas sur lequel on réfléchit ensemble, même si nos positions ne sont pas les mêmes. Mais par contre, je voudrais souligner en deuxième point que c'est aussi un aveu d'échec. C'est-à-dire que si aujourd'hui les pays européens ne se sentent pas protégés, c'est qu'on n'a pas d'Europe de la défense. C'est-à-dire que si on veut, pour nous, écologistes, si on veut à un moment ne plus dépendre de l'OTAN, il faut être en capacité de pouvoir se défendre via une Europe de la défense. Ça veut dire effectivement un travail de politique internationale commune. C'est un énorme travail parce que dans une démocratie, une défense, elle répond à une politique étrangère. Bien sûr, après, des troupes qui se forment ensemble, qui travaillent ensemble, une base industrielle commune. Mais en fait, tant qu'on n'aura pas cette Europe de la défense qui dit et qui, pour moi, nous pose dans le monde, c'est-à-dire qui fait peser l'Europe en tant que puissance, on aura des inquiétudes de la part de pays européens. Éléonore Carrois. Oui, sur la question de l'Europe de la défense, évidemment, complètement pour, et d'ailleurs, un des premiers à en parler très largement, c'est le président de la République, notamment dans son discours à la Sorbonne, bien avant que ne surgisse la guerre en Ukraine, et je pense que c'est essentiel. Après, la loi de programmation militaire, vous l'avez un peu oublié depuis. Non, mais dans la loi de programmation militaire, il y a des
questions de coopération et surtout, on est en train de doter l'Europe dans son budget, dans ses attributions, de moyens qui sont dédiés justement à cette Europe de la défense. Après, on ne monte pas une Europe de la défense, et vous l'avez dit, en un claquement de doigts, c'est des processus démocratiques et ça prend du temps. Mais évidemment que c'est tout à fait souhaitable et nécessaire. Sur l'OTAN, moi, ce que je retiens quand même de ce qu'a dit... Ça serait l'occasion d'articuler notre base industrielle de défense. Ça, c'est un... pour produire suffisamment de munitions, on doit le faire en européen. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et on est en train d'aller dans ce sens-là. On est en train de prendre des choix qui vont dans ce sens-là. Et ce qui m'interpelle, moi, sur ce qui vient d'être dit par Manuel Bompard, quand même, c'est sur le fait que, effectivement, l'Ukraine et la Russie devront décider, et c'est à elles que revient la souveraineté, mais finalement, en tant que Français, on pourrait décider de si tel pays ou tel pays a le droit d'entrer dans l'OTAN. Enfin, c'est à la fois des choix souverains. Que la Suède intègre l'OTAN, c'est à la Suède d'en décider. C'est au pays de décider. Et surtout, ce qui est important quand on regarde le comportement de la Suède et le comportement des Balkans, c'est qu'eux se sentent en insécurité aujourd'hui. Que vous avez la Moldavie qui se sent aujourd'hui en insécurité, la Transnistrie qui est en insécurité parce que cette menace russe, cette menace de débordement du conflit au-delà de l'Ukraine et bien au-delà et même en Europe, c'est pas l'Europe qui est en train de le provoquer, c'est clairement la Russie qui a une attitude va-t-en-guerre et impérialiste. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler dans un débat dans lequel on est dans la polémique et dans le débat interne où chacun a ses positions. Je pense qu'il faut qu'on soit au contraire unis sur une question aussi grave que d'avoir la Russie en face de nous, complètement incontrôlable et qui, justement, a ses positions. Manuel Bompard, mais d'abord, c'est pas vous de décider. Non, mais justement, vous avez raison, c'est un vrai sujet très intéressant. Moi, je ne reproche pas à l'Ukraine de prendre la décision de candidater, de vouloir rejoindre l'OTAN. C'est sa souveraineté, c'est sa décision. Je n'ai rien à dire sur ce sujet. Mais vous ne pouvez pas dire que parce qu'un pays décide de rejoindre l'OTAN, alors ça ne nous concerne pas et vous êtes obligé et contraint de l'accepter. Vous dites que ce n'est pas votre problème. Si l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN, elle doit pouvoir rejoindre l'OTAN. Ce n'est pas à vous de décider à sa place. Sauf que quand vous dites ça, vous ne dites pas quelque chose. C'est que si un pays rejoint l'OTAN, vous avez une clause de protection mutuelle avec elle. C'est-à-dire que si demain un pays décide de rejoindre l'OTAN et qu'il est en guerre, ça veut dire que vous êtes obligé, contraint, si vous pensez que la parole de la France a une valeur, de venir à son secours, y compris en envoyant des troupes au sol. Donc, je ne parlais pas de l'Ukraine, madame, en l'occurrence, je parlais de la Suède. Mais c'est pareil, madame. Et je parlais de la Suède, qui est un pays européen. Je ne me suis jamais caché sur ma position, je suis pour sortir progressivement de l'OTAN, donc de manière générale. Et si les Suédois veulent entrer dans l'OTAN et que c'est un pays européen, vous êtes pour leur refuser l'accès à l'OTAN. Je vous dis que ce n'est pas que la question... Alors qu'ils se sentent en danger. Que cette question n'appartient pas qu'aux Suédois. Les Suédois ont la liberté Vous vous sentez en danger, mais vous voulez rejoindre l'OTAN, mais nous ne voulons pas que vous rejoigniez l'OTAN parce que la Russie va se sentir menacée dans son territoire. C'est là où je trouve que c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur comme position. Vous vous sentez en danger, mais ne rejoignez pas l'OTAN parce qu'on ne veut pas fâcher Poutine. C'est très dur. Je n'ai pas dit ça, mais c'est poursuivre, s'il vous plaît. On va éviter de s'interrompre vraiment à chaque fois parce que c'est assez désagréable, y compris pour ceux qui nous regardent. Sur la question de l'Union européenne, l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est un autre débat qui est complètement lié, puisque l'Ukraine réclame les deux, que dans le fameux accord bilatéral, il y a les deux. La question européenne, c'est encore autre chose. Ça implique des questions sociales, agricoles, très intéressantes, en réalité, qui sont moins évoquées en ce moment, où vraiment la question plus militaire prédomine. Autour de cette table, vous êtes deux à plutôt dire qu'on peut aller dans cette direction. Et Manuel Bompard aussi, à la France Insoumise, vous dites que vous êtes contre l'adhésion de l'UE à l'Ukraine. Je voudrais qu'on passe 5 minutes quand même là-dessus, c'est très intéressant. Pourquoi vous dites que c'est une bonne idée. C'est un symbole et pourtant plein de questions sociales derrière sont posées. Je pense que la question ne se pose pas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Ukraine est en guerre et elle ne va pas adhérer à l'Union européenne en étant en guerre. Il faut penser à l'avenir, il faut penser à la reconstruction de l'Ukraine, à ce qui va se passer. Et vous savez, l'adhésion à l'Union européenne, c'est un processus long, démocratique, qui nécessite une adhésion en interne du pays qu'il demande, une adhésion des autres pays de l'Union européenne. Donc, ça prend du temps, on est d'accord. Ça prend du temps et surtout, ce n'est pas la question aujourd'hui. En revanche, de montrer à chaque fois que possible et de la manière la plus appuyée notre soutien à une démocratie qui est sur le sol européen, qui est victime d'une invasion en violation de toutes les règles de droit international par un ennemi, la Russie de Poutine, avec des velléités impérialistes. Ça, je pense que symboliquement, c'est important de leur dire on n'est évidemment pas opposés, mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire demain. Donc, symbole, signal, Cyril Châtelain, c'est la même raison, vous, qui vous fait dire plutôt d'accord ?
Alors oui, c'est dans l'accord hein, entre la France et l'Ukraine, c'est le début du processus. Et je rejoins, c'est-à-dire que c'est un processus long, on le sait, pour les pays qui veulent adhérer à l'Union européenne, où il y aura un certain nombre de discussions, de conditions. Pourquoi pour nous c'est important? Mais parce que notre conception de l'Europe, même si aujourd'hui ce n'est pas le cas, mais ce qu'on voudrait faire de l'Europe, c'est justement cet espace qui amène, par exemple, sur les questions sociales, à progresser. C'est-à-dire que pour nous, l'idée, c'est d'éviter le nivellement par le bas, mais d'arriver à faire une Union européenne où c'est le nivellement par le haut. C'est-à-dire pour d'arriver... l'instant, ça s'est pas passé. Non, pour le moment, ça s'est pas passé. Mais nous, on se défend une Europe qui arrive d'être une Europe sociale. Et d'ailleurs, il y a quand même une victoire, il y a quelques jours, d'une députée insoumise, par exemple, sur Uber. Ça montre que parfois, on arrive, c'est encore beaucoup trop faible, mais on arrive à obtenir des victoires sur la question sociale. Et nous, en tant qu'écologistes, on pense que c'est indispensable, on le défend. Donc ça, c'est la première chose, c'est de se dire, oui, ça pose des questions sociales, ça faudra les poser dans le processus, mais surtout, on veut construire une Europe dans laquelle on arrive à faire progresser les législations sociale. La deuxième chose, c'est sur la question agricole. Mais en fait, aujourd'hui, justement, ce sera dans plusieurs années l'adhésion, mais la question de l'arrivée de produits... qui est complètement liée à la guerre. Produits moins chers. Mais en fait, c'est une question aujourd'hui. Et par exemple, ça pose la question de la Russie. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on importe de plus en plus d'engrais russes. C'est-à-dire qu'il faut, qu'on revoie notre modèle agricole, que ça soit moins dépendant des engrais. Mais Emmanuel Bompard vous dira engrais... aussi beaucoup de poulet ukrainien. De poulet ukrainien et de produits agricoles russes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, on a fait venir 4,9 millions de tonnes de produits agricoles russes. Sur les 11 premiers mois de 2023, on est à 5,1 millions. Donc, de la même manière, globalement, la question d'augmenter nos normes, parce qu'en fait, si l'Ukraine adhère et qu'on arrive à pousser les normes, comme le font les écologistes, sur les questions des engrais, sur les questions phytosanitaires, en fait, on va pouvoir les entraîner avec nous sur un nouveau modèle agricole, qu'il faut d'abord qu'on questionne chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est la France qui n'est pas assez forte pour faire une révision de la PAC. Si on arrive à réviser la PAC, oui, à un moment, si l'Ukraine adhère dans l'Union européenne, il faudra qu'elle change de modèle. Par contre, on a vraiment cette question, c'est-à-dire qu'on n'a pas coupé non plus avec la Russie sur les produits agricoles. Donc ne soyons pas dépendants aussi de ces produits agricoles. Emmanuel Bompard, vous, l'Ukraine dans l'UE, vous dites moins 10 ans social. Moi, je dis pas de nouvel élargissement de l'Union européenne tant qu'il n'y aura pas eu une harmonisation sociale, fiscale et environnementale. Ce n'est pas spécifiquement sur l'Ukraine, ça se pose là sur l'Ukraine, mais c'est vrai pour d'autres pays. Parce que pendant des années et des années, on nous a dit faut élargir, et puis l'harmonisation, ça arrivera plus tard. Et la vérité, c'est que ça ne s'est pas produit. Et que si aujourd'hui, vous faites rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est-à-dire que vous allez faire rentrer un pays dans lequel le salaire minimum est inférieur à 200 euros par mois, donc vous allez créer une situation de dumping social énorme, ça va se traduire par encore plus de délocalisation, où on va aller envoyer nos usines au moment où tout le monde dit qu'il faut reconstituer nos capacités souveraines de production, on va les envoyer en Ukraine avec des travailleurs qui seront et une main d'œuvre qui sera à très bas prix. C'est 50% aujourd'hui en vertu des accords de libre-échange qu'on a passé au début de la guerre avec l'Ukraine, 50% du poulet vendu en France qui provient de l'Ukraine. Moi, j'ai été au salon de l'agriculture, j'ai rencontré la filière volaillère. Les producteurs de poulet français sont dans une situation catastrophique. C'est 20% du budget de la PAC qui serait attribué à l'Ukraine dans un modèle agricole ukrainien, pardonnez-moi, qui est avec des immenses exploitations détenues par un oligarque qui est réfugié à Chypre. Donc, pardon, je pense que ce serait un suicide pour notre agriculture, pour notre industrie. Et il ne s'agit pas de dire jamais. Il s'agit de dire pas tant qu'il n'y a pas eu d'harmonisation sociale et fiscale. C'est vrai, Chadelin. Moi, j'aurais juste complété, puisque là, on part finalement de... Par rapport à ce que dit Emmanuel Bompard. Vraiment sur la question du moins 10 ans social et effectivement du salaire. Alors moi, pour le coup, je fais référence à un article de Mediapart qui est extrêmement intéressant sur les mobilisations de gauche, notamment les mobilisations syndicales. C'est que par contre, effectivement, il y a une vraie inquiétude sur ce qui se passe en Ukraine, c'est que le droit social est en train d'être saccagé, qu'on a une mobilisation des syndicats et que la question de la reconstruction, c'est celle-ci aussi. C'est-à-dire que vu qu'on a aidé, comment on va mettre des conditions
environnementale, sociale, et dont le soutien qu'on a à l'Ukraine, je pense qu'on doit aussi, en tant que pays social, avoir le soutien à cette mobilisation sociale. Et là, c'est aussi ce soutien à ces syndicats et aux conditions qu'on va mettre dans la reconstruction, de revenir sur un droit du travail, de revenir sur les salaires, où en fait, ça peut faire partie de ce processus-là. C'est-à-dire qu'il faut être en soutien de ces mouvements-là. Je voudrais qu'on en vienne dans une minute à Gaza, mais d'abord, j'ai une petite question à vous poser sur le Rassemblement national. Il s'est abstenu sur l'accord en question. Marine Le Pen, à la tribune, a dit soit on est pro-Macron, soit on est accusé d'être pro-Poutine. Elle accuse notamment Emmanuel Macron d'instrumentaliser le conflit. On a écrit à Mediapart les liens financiers, notamment du RN avec la Russie. Brièvement, à quoi joue le RN pour vous dans le contexte des élections européennes, où il est annoncé très haut dans les sondages? Nous ne parlons pas des sondages à Mediapart, mais évidemment, ça fait partie de la discussion générale. À quoi il joue sur cette question de la guerre en Ukraine? Cyrielle Chatelain. Le Rassemblement national est un parti hypocrite. On le voit très bien, qui instrumentalise tous les votes pour cacher ce qu'il est, son programme. Et ce qu'est le Rassemblement national, c'est une courroie de transmission des idées de la Russie en France. Courroie de transmission. Et c'est les conclusions d'un rapport parlementaire sur les ingérences extérieures rendues il y a un an. Que ce soit des liens financiers ou effectivement, je pense, des proximités idéologiques. Manuel Bompard. La complicité du Rassemblement national avec le régime russe, elle est effectivement avérée par les informations qu'a données Cyrielle à l'instant. Mais je vous rappelle aussi que pendant la campagne présidentielle, ils ont été obligés de mettre à la poubelle un tract qu'ils avaient prévu de sortir, dans lequel il y avait Vladimir Poutine en photo dessus. Mais en ce qui concerne leur décision de mardi, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'absence totale de courage politique. C'est-à-dire, on parle d'un sujet qui est un sujet majeur. Soit vous considérez qu'il fallait voter en faveur de cet accord, et chacun a ses arguments, et soit vous considérez qu'il ne fallait pas le faire, il faut voter contre, mais on n'a pas le droit de s'abstenir sur un vote d'une telle importance. Marine Le Pen est trop mal faite, comme Gérald Darmanin, vous, c'est ça? Moi, je pense qu'on n'a pas... Franchement, je le dis sincèrement, je trouve que l'abstention sur un vote d'une telle importance recoupe un manque total de constance, de cohérence politique. Éléonore Carmois. Je pense que ça sera peut-être le seul sujet sur lequel on sera vraiment tous d'accord, mais parce que c'est criant, leur côté mal à l'aise quand on aborde ce sujet, à quel point il y a la proximité entre Marine Le Pen et Poutine historique, transparaît lorsqu'il s'agit de dénoncer clairement. Après, ça me fait réagir que vous disiez que c'était un vote majeur, finalement, parce que j'avais cru comprendre depuis le début de l'émission que vous trouviez que c'était pas un vote majeur et que c'était un vote où on nous prenait un peu... Non, je pense que c'était un vote majeur, mais symbolique. Mais pas sur le sujet. Donc, sur lequel on nous a fait voter. C'est pour ça que moi, je comprends pas très bien votre position sur ce vote. Bon, mais en venons-en, tout cas, venons-en si vous voulez bien. Le Rassemblement national, clairement. Venons-en, si vous voulez bien, à Gaza, depuis le massacre du Hamas et d'autres groupes palestiniens en Israël le 7 octobre, 1200 morts côté israélien, encore de nombreux otages. L'armée israélienne a tué 30 000 Gazaouis, en grande majorité des femmes et des enfants. Aujourd'hui, une situation d'urgence, 1,5 million de personnes qui sont à Rafah, dans le sud de l'enclave. Israël menace toujours d'une éventuelle attaque à Rafah. Pendant ce temps, l'aide alimentaire n'arrive pas, y compris parce qu'Israël, en grande partie, évidemment, la bloque. Un petit mot rapide de tous et tous, déjà un tour de table très rapide. Est-ce que la France, aujourd'hui, la France ne détient pas toute la clé, loin de là, hein, de cette affaire, mais est-ce que vous diriez que la France fait assez pour arrêter le massacre, créer les conditions de la négociation, Cyrielle Chatelain ? Non, la France ne fait pas assez. D'ailleurs, la France, là encore une fois, Emmanuel Macron a eu des positions extrêmement floues. Fluctuantes pour le moment. Fluctuantes au début du conflit. On est dans une situation critique que vous avez rappelée, avec des exactions, des crimes de guerre, de la famine utilisée comme arme de guerre. Depuis le début, un blocus sur la question de l'eau, du chauffage. On a la Cour internationale qui parle potentiellement de génocide. Donc on est dans une situation d'une gravité extrême. Et non, la France, aujourd'hui, ne fait pas assez. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, elle devrait reconnaître l'État palestinien. L'Assemblée et le Sénat l'ont voté, elle devrait le faire. Elle devrait demander à ce qu'il y ait des enquêteurs de la Cour pénale internationale qui viennent constater autant ce qui s'est passé le 7 octobre, les exactions, que ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il faut des sanctions ? On l'a documenté sur Mediapart, il y a des civils palestiniens qui sont rassemblés par différents avocats, ONG, oui, qui demandent des sanctions personnelles contre eux, Netanyahou, Smotrich, Ben-Gvir, les ministres. Il faut des sanctions contre un gouvernement d'extrême droite, et je le dis, dans l'Union européenne, on a aussi des outils qui sont forts, on doit voter des sanctions au niveau européen, on a quand même une relation privilégiée avec Israël, on doit utiliser ces outils pour faire pression pour que ça s'arrête. Manuel Bompard, même question, est-ce que les solutions de Cyrielle Chatelain sont les mêmes, ou est-ce que vous, je ne sais pas, aller plus loin, proposer autre chose? La France ne fait pas assez, c'est une évidence.
Je pense que effectivement la reconnaissance de l'État de Palestine, dont le président de la République a dit que ça n'était pas un tabou, donc si c'est pas un tabou, il faut le faire maintenant. Je pense que ce serait une décision symbolique forte, mais je pense que là l'urgence aujourd'hui, premièrement, c'est d'arrêter de livrer des armes, parce que le ministre de la Défense a confirmé en commission que la France continue à livrer des armes à Israël. On peut pas être en train de livrer des armes à un État dont la Cour internationale de justice dit que son action est potentiellement un génocide. La France ne peut pas avoir une complicité. C'est extrêmement grave ce dont on est en train de parler. Donc il faut arrêter de livrer des armes. Et ça, c'est une décision unilatérale de la France. C'est pas compliqué à mettre en place un embargo sur les livraisons d'armes. Deuxièmement, il faut donner des sanctions. Parce que là, après la discussion qu'on vient d'avoir sur la Russie, il va quand même falloir m'expliquer pourquoi la Russie, qui viole le droit international, personne ne le conteste, est sanctionnée. Et le gouvernement Netanyahou, qui viole le droit international, lui ne le serait pas. Pourquoi ? Quel est ce deux poids, deux mesures ? Quel est ce double discours ? Quel est ce double standard ? Pour quelles raisons n'infligeons-nous pas les mêmes sanctions qu'on a infligées à l'oligarchie et au régime russe ? Donc là, c'est sanctions personnelles, des choses comme ça. Les sanctions contre le gouvernement israélien, le gouvernement d'extrême droite, le gouvernement de M. Netanyahou. Donc moi, je dis reconnaissance de l'État de Palestine, oui. Embargo sur les livraisons d'armes, sanctions, suspension de l'accord européen. Il y a un accord entre l'Union européenne et l'État d'Israël, il faut le suspendre tant qu'on n'a pas obtenu ce qu'on doit obtenir le plus rapidement possible, c'est-à-dire un cessez-le-feu. Et Cyril Châtelain acquiesce, Eleanor Carroix, pourquoi la France n'arrête pas de livrer des armes ? Pourquoi elle ne fait pas de sanctions personnelles contre les dirigeants israéliens, comme le demandent certains civils palestiniens, des ONG, ou comme c'est demandé aussi dans d'autres opinions publiques à d'autres gouvernements ? Sur la question de la livraison d'armes, il faut être extrêmement précis parce que ce sont des accusations graves. La France ne livre aucun matériel létal qui puisse être utilisé contre les populations à Gaza, et les livraisons dont il est état qui fait moins de 2% de nos exportations ne sont pas utilisées dans cette zone-là. Elles sont faites dans le cadre strict du respect de la Charte des Nations Unies de l'article 51. Donc aucune arme livrée en Israël ne participe à ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. C'est en tout cas ce qui a été dit, et je pense que c'est important parce que lorsqu'on dit le ministre dans son audition a répondu X, c'est en tout cas ce qui nous a été dit. Mais est-ce que l'Assemblée nationale a pu le vérifier sur pièce, par exemple ? Et l'Assemblée nationale, justement, interroge et auditionne les ministres. Non, mais on ne peut pas vérifier sur pièce, par contre. Enfin, justement, c'est un des problèmes. Le suivi des armes et de la vente d'armes et de l'utilisation des armes. Mais aucune arme létale utilisée dans le conflit. Donc, ça, c'est important de le rappeler parce qu'il faut être précis. Vous avez un levier d'action, pourquoi vous l'utilisez pas ? Alors, après, sur l'action de la France et sur la position de la France. La France, il faut le rappeler, et le président de la République. Sur les sanctions. Et le premier pays qui a été. Pas seulement en Israël après l'attaque du 7 octobre, mais tout de suite après en Égypte, tout de suite après en Jordanie, qui négocie et qui discute avec tous les États de la région, y compris avec le Qatar, y compris avec les États qui peuvent avoir un impact. Mais sur la question des sanctions. Qui discute, qui apporte de l'aide humanitaire en grande quantité et qui appelle très clairement et sans aucune ambiguïté, je sais qu'on en a débattu pendant des heures et des heures sur toutes sortes de plateaux. Ça a mis du temps, mais ça a été fait. Non, et aujourd'hui, je veux dire, la position est très claire et vous avez même applaudi le gouvernement, ce qui est quand même relativement rare. Je repose la question des sanctions. Et sur les sanctions. Les sanctions, elles ne se décident pas d'un claquement de doigts. Vous avez toutes sortes de sanctions. Vous avez des sanctions au niveau européen qui nécessitent une concertation. On est dans des processus démocratiques qui se font à plusieurs et dont on étudie la portée. On a des sanctions qui sont économiques, on a des sanctions qui sont militaires. Il faut mesurer. La France a condamné très clairement des colons en Israël, 28 colons, je crois, la semaine dernière, lorsque cela l'exigeait. L'idée, ce n'est pas de venir s'immiscer. Vous parlez sur l'Ukraine. Surtout, n'intervenons pas. L'idée, ce n'est pas de venir aujourd'hui s'immiscer dans cette guerre, dans ce conflit. On a fait des sanctions vis-à-vis du pouvoir russe. On peut le faire à l'Assemblée nationale, on peut proposer des sanctions, mais on peut les voter. Moi, par exemple, et pourquoi vous ne le faites pas ? Mais moi, je l'ai proposé, madame. Et vous pouvez proposer, vous pouvez porter nombre, des. Je vais avoir proposé. Sur quoi vous les portez ? Sur quoi est-ce qu'elles viennent ? En fait, je pense que c'est quelque chose. Des sanctions personnelles. Je ne sais pas, moi, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas ? Le gouvernement français peut décider d'avoir le libre niveau européen. Et en même temps, au niveau européen, ça peut être proposé, mais il faut qu'elle soit proportionnelle, il faut qu'elle soit justifiée, il faut savoir qu'est-ce qu'on sanctionne et quel est finalement ce qu'on est en train d'obtenir comme résultat, quel est l'intérêt. Un mot, quand même, vous avez abordé le mot de la décision de la Cour internationale de justice qui dit le 26 janvier risque plausible de génocide. On n'est clairement plus au 26 janvier, il s'est passé beaucoup de semaines depuis. Aujourd'hui, est-ce que vous dites, en fait, le risque plausible est devenu un génocide ? Manuel Bompard, vous le dites ?
à la France insoumise. Vous parlez de génocide aujourd'hui. Mais la caractérisation, c'est celle des institutions internationales. Bon, moi, ce que je sais, c'est que le 26 janvier, on a parlé d'un risque plausible de génocide, que la Cour internationale de justice a demandé que tout soit fait pour le prévenir et que depuis, tout a été fait, pas pour le prévenir, mais pour l'encourager. Donc, à partir de ce moment-là, oui, je considère, si vous voulez, aujourd'hui, que le génocide est en cours. Voilà, je le pense. Et je pense que votre réponse, madame, qui vise à esquiver, parce que pardonnez-moi, vous pouvez pas me dire c'est à vous de le décider, parce que c'est non, pas moi qui décide l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on essaie, d'avoir une position réductrice sur un. Sur une situation qui est extrêmement grave. C'est-à-dire génocide, c'est réducteur, c'est ça que vous dites? Non, je parle de, sur les sanctions. Vous êtes sur les sanctions, d'accord. Je répondais à ce, dont on parlait. On a toujours pas compris votre réponse, mais allez-y. Moi, ce que je vous dites que c'est pas possible. Moi, non, je suis en train de vous dire que c'est un conflit qui a évolué. Déjà, il faut rappeler d'où vient ce conflit. C'est quand même une attaque du Hamas que votre groupe avait dû. Enfin, si l'épisode qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Non, vous dans contestez un contexte en ce moment, on s'en retrouve où on s'en trouve aujourd'hui, que vous soyez d'accord ou pas d'accord d'ailleurs, mais que ça soit la suite, la conséquence de ce qui s'est passé le 7 octobre, vous le contestez? Première chose, moi, ce qui m'a choqué, c'est on n'a pas à s'immiscer dans cette guerre. Enfin, je suis désolée, là on parle de crimes de guerre massifs, d'utilisation de famine comme arme de guerre, de 25 000 femmes bien sûr. Décédées, et c'est les chiffres de la maison. Non, mais je dois répondre. Première chose. Non, attendez, elle finit sa deuxième phrase. Chose. Donc, premièrement, si, en fait, quand on croit au droit international, on l'applique partout. Et ça, je pense que ça renforce notre position sur l'Ukraine. La deuxième chose. Oui, ce qui s'est passé au Hamas était un crime. C'était un acte terroriste. Mais en fait, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, il y a un droit à la défense. Le droit à la défense, il est encadré de manière internationale. Ce n'est pas le droit à faire des crimes de guerre. Absolument. Ce n'est pas le droit de faire un blocus. Le lendemain du 7 octobre, on a l'extrême droite et le gouvernement de Netanyahou qui parlent des Palestiniens comme des animaux. Comme des animaux. Donc oui, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, on le sait depuis le 7 octobre. Et on le savait avant, parce qu'on a un ministre d'extrême droite israélien qui est venu en France et qui a fait une conférence en France avec une carte de la Grande Israël. Il n'y avait plus de Palestine, il n'y avait plus de Jordanie non plus, d'ailleurs. Il y avait plus de Jordanie. Donc c'est un gouvernement d'extrême droite dangereux qui a intensifié la colonisation. Et oui, le Hamas a commis un crime, mais il y a une responsabilité extrêmement forte de l'extrême droite. Absolument. Et maintenant, on doit réagir. Et donc, Cyril Hassan vous dit sanctions. Du coup, sanctions maintenant. Mais lorsqu'on parle des deux États. Mais franchement, la France ne fait que ça sur le plan international. Écoutez, la France vote les résolutions au sein des Nations Unies parce qu'on croit au multilatéralisme. On apporte de l'aide humanitaire. On essaye de négocier. On a des otages. Il faut parler des otages. On a trois Français qui sont encore bloqués sur la bande de Gaza. Vous n'en parlez pas. Ils doivent être libérés. Non, aujourd'hui, on n'en parle pas. Et c'est important de parler des otages. C'est important de parler. Non, mais c'est vrai. Vous prenez parlons-en mon propos à l'Assemblée maintenant. Nationale, j'ai toujours demandé la libération des otages. Mais je vous parle maintenant. Et bien, c'est important de demander oui, mais demandons libérons les otages et cessons le tout feu. Le monde. La position de la France est claire. En tout cas, on a pris des demandes de sanctions d'un côté et des demandes pas de sanctions d'un autre côté. Et des demandes de sanctions, mais de manière... Enfin, pas de demandes de sanctions, mais... Pardonnez, mais pour l'instant, c'est vrai que le temps avance. En fait, tout le monde doit être à la hauteur. Moi, je vais reprendre les propos d'Antonio Guterres il y a plusieurs mois. Secrétaire général de l'ONU. Tout le monde doit être à la hauteur de l'histoire. Les otages doivent être libérés sans condition. Les bombardements, la famine doit s'arrêter immédiatement. Et aujourd'hui, on n'est clairement pas à la hauteur. Clairement pas. Et on est en train, en tant que pays européen, d'apporter des réponses, non, celles qu'on peut, d'apporter Est-ce de l'aide humanitaire. J'ai une question pour vous. Tiens, vous êtes la vice-présidente. On va terminer là-dessus. La vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée que vous êtes. La France a dit qu'elle ne verserait pas de nouveaux versements à l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés à Gaza, d'ici avant la fin du premier trimestre. Bon, ben là, on y est. Sachant que l'UNRWA a été accusée, avec sans preuve à ce stade, par Israël, de soutenir le Hamas. Est-ce que la France, là, d'autres pays, le Canada par exemple, ils ont repris les financements, d'autres pays ont repris les financements, est-ce que la France, là, il faut... L'UNRWA est en difficulté financière à court terme, est-ce qu'il ne faut pas que là, tout simplement, la France fasse un versement, là, dans les prochains jours, vu l'urgence humanitaire à Rafah ? La France contribue à l'aide humanitaire
non seulement directement, mais aussi à travers les différentes associations qu'elle soutient, qui sont présentes à Gaza. C'est l'UNRWA qui est vraiment centrale à Gaza. Et en l'occurrence, sur cette suspension, il n'y avait aucun paiement qui était dû dans cette période-là. Oui, d'accord. Donc là, la décision sera prise très rapidement. Et c'est important que l'on puisse examiner la situation lorsque l'on est dans un contexte comme celui qui est aujourd'hui, celui d'Israël et de Gaza. Voilà, merci à vous d'être venus sur ce plateau pour cette heure de débat vive, mais très intéressante. Merci à vous de nous suivre. Vous le savez, ces émissions n'existent que grâce à vos abonnements. Donc si vous le pouvez, abonnez-vous avec cette semaine pour nos 16 ans. Une offre très spéciale à ne pas manquer. À très vite sur Mediapart.